Sur le Tour de France, il y a plein de métiers bizarres. Genre lanceur de saucissons, chauffeur-masseur, poisson-pilote. Hein ? Poisson-pilote ? Oui, oui, ce nom ne veut rien dire, et pourtant c'est un rôle hyper important dans une équipe cycliste. Déjà, il intervient uniquement dans le cadre d'un sprint, donc une étape où il faut aller vite. Le but de Nemo, du poisson pilote pardon, c'est d'aider le sprinter de l'équipe à gagner, tout simplement. Et pour ça, il va lui ouvrir la voie, lui donner la spie, comme dans Mario Kart, plus ou moins faire le boulot à sa place, en gros être son garde du corps pour que le sprinter ait le moins d'efforts à faire. Et quand il arrive à 200 mètres de l'arrivée, le poisson pilote, il disparaît. Enfin, il s'écarte plutôt. Comme ça, le sprinter peut foncer comme jamais pour remporter la victoire. Et ça nécessite évidemment d'être hyper synchro et de se connaître par cœur, parce que le sprinter est dans la roue du poisson pilote à genre 70 km/h ou plus, donc faut pas se planter. C'est plutôt un rôle de l'ombre, ils sont pas voués à remporter des étapes, mais si le sprinter a une galère au dernier moment, bah c'est le poisson pilote qui sera le mieux placé pour aller chercher la victoire.